merci de nous rejoindre pour ce nouvel entretien des éveilleurs. Aujourd'hui, nous recevons Jean Sévilla. Bonjour Jean Sévilla. Bonjour. Qui vient pour nous parler de son nouvel ouvrage, Une histoire inédite de la France en 100 cartes. Vous êtes historien, journaliste, passionné de la France et de son histoire. Vous êtes père d'une famille nombreuse aussi, très sympathique au demeurant, à qui vous avez transmis cet amour et cette passion. Et vous êtes l'auteur d'une œuvre très importante puisque vous avez consacré une partie de vos recherches à l'histoire de l'Autriche à travers deux personnages contemporains, l'empereur Charles et sa femme Zita, à qui vous avez consacré deux biographies. Vous êtes aussi un essayiste de renom puisque vous avez publié des ouvrages plus d'analyse de l'historiographie contemporaine avec le terrorisme intellectuel, historiquement correct, historiquement incorrect. Vous êtes intéressé à l'histoire du catholicisme en France avec « Quand les catholiques étaient hors la loi ». Et vous vous êtes lancé également dans la rédaction d'une œuvre de référence, puisque vous avez publié une histoire de France, l'histoire passionnée de la France. Et maintenant, convaincu que l'histoire de notre pays, justement, est faite de chair et de sang, qu'il est profondément ancré dans son territoire, vous nous offrez aujourd'hui un ouvrage original, une histoire inédite de la France en 100 cartes, donc que vous avez publié avec Jean-François Ségard et Nicolas Poussin, qui ont travaillé sur la cartographie. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel vous reprenez l'histoire de la France à travers, justement, ces 100 cartes qui illustrent l'évolution de son territoire. Alors, pour commencer, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez eu ce projet? Pourquoi est-ce que vous avez voulu aborder l'histoire de France à travers ces cartes, justement? Qu'est-ce qui vous a semblé important dans le fait d'illustrer par la cartographie l'histoire de la France? Mon histoire inédite de la France en 100 cartes est un fruit indirect, plus ou moins direct en tout cas, donc indirect, de mon histoire passionnée de la France avec mon éditeur en parlant il y a quelques années. On s'est dit qu'il y aurait une possibilité à partir de mon histoire de la France, sur le même principe, c'est-à-dire d'une histoire de France de synthèse, de la couper en tranches, si je puis dire, en retenant 100 morceaux, 100 moments les plus symboliques de notre histoire et en les illustrant. Alors pourquoi les illustrant par des cartes, non pas par des cartes anciennes? Il existe des ouvrages très intéressants d'ailleurs, qui sont des ouvrages d'histoire de la cartographie en tant que telle. Nous, notre idée, ce sont des cartes modernes qui ont été dessinées pour ce livre. C'était avec la conviction que l'histoire et la géographie sont deux sciences jumelles, l'histoire ne se comprend pas sans une carte, parce que l'histoire c'est une science, c'est aussi, ça peut être une science visuelle. Hein. Et donc qu'on peut illustrer l'histoire de notre pays en prenant 100 moments très forts, qui sont des moments charnières, des moments symboliques. L'idée de visualiser, parce qu'une bonne carte peut être aussi parlante qu'un texte, oui, je le crois, hein. Alors, pas aussi détaillée, mais peut-être aussi parlante qu'un texte. On comprend beaucoup de choses en lisant une carte, en histoire. Et donc, ça a été l'origine de ce projet. Donc, la difficulté, évidemment, une fois que le principe était arrêté, c'est de trouver 100 moments forts de l'histoire de France, parce qu'il n'y en a pas 100, il y en a 1000, en réalité. Donc, il fallait faire un choix. Donc ça a été la première phase, sans doute la plus compliquée, la plus contraignante, parce qu'évidemment, choisir, c'est renoncer, et donc il y a beaucoup de renoncements dans ce livre, et en même temps, trouver la bonne articulation à chaque fois entre le texte et l'image. Alors j'ai arrêté le principe de faire non seulement, évidemment, c'est l'histoire du territoire français, de sa constitution, et sans doute vous allez me poser des questions sur ce sujet-là, mais c'est aussi, pour la période contemporaine, c'est pas simplement une histoire politique, c'est une histoire politique bien entendu, mais c'est aussi une histoire sociologique, culturelle, ce sont les grandes évolutions, c'est l'histoire de la scolarisation, l'histoire de l'industrialisation, l'histoire de jusqu'à aujourd'hui, avec la crise des gilets jaunes, etc. Donc c'est aussi montrer comment la société française s'est transformé au fur et à mesure de son histoire. Donc ce n'est pas simplement les institutions, la nation, c'est aussi comment les Français ont vécu leur vie quotidienne, les mentalités d'une certaine manière, avec l'histoire religieuse. Donc on a voulu synthétiser par des cartes. Alors certaines cartes sont géographiques, purement graphiques, c'est un dessin, et puis il y a aussi quelques graphiques qui sont des statistiques qui complètent le tableau.
Alors si justement on repart un peu des origines, on va essayer de traverser un petit peu le livre, même si on devra faire encore plus de coupes que vous n'avez dû en faire dans le livre. Si on revient quand même un petit peu aux origines, vous justement, vous revenez un petit peu sur le patrimoine préhistorique, la mosaïque des peuples en Gaule à la veille de la conquête romaine, là, avec la tentative de fédération de Vercingétorix. Et puis tout ça nous amène à l'installation des Francs en Gaule du Nord. Et donc Clovis devient le roi en 481. Et donc, je voulais qu'on s'arrête un petit moment sur cet événement, puisqu'on fait souvent de Clovis un petit peu justement le père, enfin l'origine de Clovis et de son baptême, l'origine de la naissance de la France et de la christianisation de la France, et donc un peu le point de départ d'une nouvelle histoire. Et du coup, au vu de vos cartes, justement, on voit que le territoire, au moment de Clovis, n'a rien à voir avec la France que l'on connaît aujourd'hui. On voit également, dans les cartes qui suivent, qu'il change très souvent, puisque au fur et à mesure que le territoire est transmis par héritage, il y a des partages, des scissions. Et donc, on peut se demander, en fait, en voyant ça, au fond, est-ce que ça a vraiment du sens de parler de la naissance et du baptême de la France au moment de l'avènement et des décisions de Clovis, ou est-ce qu'en fait, c'est un peu une légende dorée Alors, ce n'est pas tout à fait une légende dorée, c'est de la pédagogie, c'est de l'image au sens figuré du terme. C'est évident que Clovis, quand on dit « c'est le premier roi de France », une expression qu'aujourd'hui on emploie moins, mais enfin, c'est de l'ordre du symbole. C'est évident que la France n'est absolument pas constituée à l'époque de Clovis, on en est très loin même. Alors vous avez dit les frontières ne correspondent pas. C'est à la fois vrai, bien entendu, mais en même temps, il y a quelque chose qui se dessine depuis, je dirais, le moment Vercingétorix où Vercingétorix réussit à fédérer contre les Gaulois un certain nombre de tribus, pas toutes les tribus gauloises, hein, il y en a qui étaient du côté romain, mais il y a quand même un dessin qui se modèle, qu'on va retrouver un peu à l'apogée du royaume de Clovis, donc quelques siècles plus tard, qu'on va retrouver sous les Mérovingiens, enfin je veux dire, c'est un processus très long. La France, historiquement parlant, on peut parler de la nation française. Alors là, j'ai fait un bond dans l'histoire par rapport à Clovis, pardon, pour de bousculer votre plan, mais enfin, c'est évident que c'est relativement tardif. On ne peut pas parler de la France, de la nation française, avant le 11e, 12e, 13e siècle. Le sentiment national, on le voit sous Jeanne d'Arc, on est déjà au 15e siècle, hein, c'est tard, au fond. Hein. Donc il y a une espèce de très grand millénaire qui est le premier, l'Antiquité tardive ou le premier Moyen-Âge. Oui, c'est pas encore la France. Et donc Clovis, puisque j'y viens, c'est un personnage symbolique, mais quand il y a quelque chose de symbolique qui est fort, qui est posé, d'abord, il va se c'est un barbare, évidemment, et il va se convertir au christianisme. Sa conversion va entraîner, c'est un événement long, hein, qui a dû prendre du temps, mais va entraîner symboliquement la christianisation du pouvoir politique qui s'installe sur un territoire qui va devenir la France. Voilà. Il y a une union entre une dynastie très fragile, hein, parce que c'est compliqué, l'histoire des Mérovingiens, mais il y a entre le pouvoir politique qui symboliquement s'installe à Paris. Clovis fait de Paris sa capitale. C'est une capitale qui n'a rien à voir avec ce qu'elle sera sous Louis XIV, et encore moins sous Bonaparte, et encore moins aujourd'hui. Mais enfin, il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a un pouvoir politique qui s'installe dans le nord de la France, qui va fédérer un espace de territoire qui avait déjà été fédéré sous les Gaulois, qui sera de nouveau fédéré plus tard. Il y a quelque chose qui s'esquisse. Maintenant, il est évident que c'est de l'ordre du symbole. Alors c'est toute l'histoire. Est-ce que le roman national, est-ce qu'il est une réalité ou est-ce qu'il est un roman, voilà. Alors, moi, je n'aime pas ce terme de roman parce qu'il suppose de la fiction. En l'occurrence, ce n'est pas de la fiction, il y a des réalités. Maintenant, il est évident qu'il y a une part dans le récit national et qui était celui de l'histoire de la Troisième République, qui a été aussi l'histoire d'une certaine histoire sainte et contre-révolutionnaire royaliste au XIXe siècle. Il y a une part qui, historiquement, n'est pas vraiment fondé. Mais enfin, c'est une pédagogie. Ça apprend l'histoire de France et l'histoire que ça introduit à l'idée que la France est un vieux pays et qu'au fond, il y a eu une marche longue, une construction très lente pour arriver à ce qui deviendra la France moderne. Et de ce point de vue-là, il y a des petits cailloux qui sont semés sur la route, comme le petit pousset, qui vont finir par construire la France. Donc Clovis, c'est un petit caillou, mais un gros caillou quand même. Il y a une symbolique extrêmement forte. Et d'ailleurs, tous les régimes
On cherchait à récupérer la figure de Clovis. Les Capétiens l'ont fait, les Bourbons, enfin, la monarchie française l'a fait, même la République. Dans les manuels de Lavis, manuel de Malaisac, manuel ultra-républicain, 19e, 20e siècle, la figure de Clovis est magnifiée comme un des premiers symboles, je dirais, de la souveraineté française. Alors, il y a une part de mythification, mais cette mythification, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. En revanche, dans la perspective qu'une nation, c'est une construction lente, il y a une pédagogie autour de la figure de Clovis qui me paraît pas négligeable. Pour prolonger justement sur ce sujet, vous avancez en racontant également l'avènement des Carolingiens, le rôle de Charlemagne, son empire, le traité de Verdun. Et puis on arrive à ce moment de la fondation d'une nouvelle dynastie avec Hugues Capet, donc les Capétiens qui, pour le coup, après, perdureront jusqu'à la chute de la monarchie. Et donc vous montrez, vous évoquez dans votre livre l'idée justement que les Capétiens vont pour le coup faire encore un bond en avant par rapport à ça et mettre en place véritablement une forme de projet d'unification du territoire et d'extension du domaine royal et d'unification du territoire. Et du coup, on peut se demander aussi, est-ce que chez les Capétiens, ce projet a été un petit peu pensé? Évidemment, certainement pas sur 10 siècles, ils n'avaient probablement pas tout programmé, mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a un projet capétien vraiment pensé d'unification territoriale qui prolongerait un petit peu ce qui a pu être mis en place comme jalon par les Mérovingiens et les Carolingiens? Ou est-ce qu'en réalité, cette unification du territoire qui ira jusqu'à ce que vous dites sur le 19e, s'est faite un peu comme le fruit du hasard des différentes guerres et des différentes conquêtes? Est-ce qu'on peut parler d'un projet capétien? On peut parler, mais là encore, il y a une part d'image dans ce terme de projet. C'est-à-dire que c'est évident que ni Capet, ni ses successeurs immédiats n'ont eu une espèce de vision téléologique comme quoi ils allaient construire un ensemble, que leur successeur allait continuer et que ça allait devenir la France. Non. Dans la pratique, c'est la durée, en fait, qui a fait ce phénomène-là. D'abord, il y a eu un phénomène très important qui a permis à la dynastie capétienne de durer, c'est que tous les premiers capétiens arrivent à, alors qu'on était auparavant, dans le monde mérovingien, dans des constructions dynastiques très, très compliquées, avec des querelles, tous les premiers rois réussissent à faire couronner, associer leur fils au pouvoir, et à chaque fois, il y a eu un fils. Il faut attendre pratiquement 2 siècles pour qu'il y ait une rupture. Donc il y a une durée de la dynastie et les Capétiens, de fait, agrandissent peu à peu leur domaine propre, le domaine royal. Et donc de ce point de vue-là, où les chroniques de l'époque en témoignent, il y a un projet. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée d'agrandir leur champ, voilà. Un peu comme des paysans. Il y a un côté paysan chez les premiers Capétiens, enfin, sur des terriens, et donc ils agrandissent leur champ. Ils n'ont pas l'idée encore, évidemment, ils n'ont pas l'idée que ça va devenir la France ni la nation française. Mais de facto, dans la mesure où ce domaine s'agrandit peu à peu, mais parfois il se rétrécit, parce qu'il y a parfois, ils réussissent, ce sont des joueurs. Parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Et parfois, donc, il y a des terres qui étaient passées sous la souveraineté, qui repassent sous la souveraineté de grands feudataires, d'autres, et donc ils les perdent. Mais enfin, peu à peu, ils agrandissent leur domaine, et ce domaine devient peu à peu le domaine royal. Il y a l'affirmation aussi assez qu'on voit, qui est lente, qui n'est pas complètement consciente. On fait beaucoup d'anachronismes, on va faire de l'anachronisme, et même quand Bouvines, qui est une date extrêmement symbolique dans l'histoire de France, j'admire beaucoup Jacques Bainville parce que ça a été un grand historien, mais Jacques Bainville avait tendance à tout interpréter en termes de conflit, projeter le schéma France-Allemagne. Même Bouvines, même si le roi de France combat contre l'empereur, on n'est pas encore dans une perspective nationale, on est dans un monde féodal. Hein. Il n'y a pas encore la notion vraiment française, il n'y a pas encore la notion d'Allemagne, mais c'est un chemin symbolique. Encore, c'est une image, Bouvines, c'est une image. Il y a quelque chose, même si on est dans un monde avec des grands féodaux dont les territoires ne sont pas des territoires nationaux, mais il y a quelque chose qui se construit. C'est comme ça, c'est encore un caillou sur ce chemin, sur cette pierre. Et donc, de facto, la dynastie capétienne, peu à peu,
va agrandir le domaine royal, mais la notion de territoire français, notion de souveraineté française, ça apparaît très tard. Elle naît à la fin de la guerre de Cent Ans, même au début de la guerre de Cent Ans, on est encore dans un monde totalement féodal, où c'est un, je veux dire, c'est le grand affrontement avec les Plantagenets, qui sont une dynastie à la fois anglaise et établie sur le territoire français, qui va peu à peu faire naître la dimension nationale. On peut dire que sous Jeanne d'Arc, oui, il y a une conscience de ce que c'est que la France, de ce que c'est que l'Angleterre. Mais on est très tard, on est déjà au XVe siècle. Donc il a fallu plusieurs siècles pour que la conscience française apparaisse et pour qu'elle apparaisse aussi chez les rois de France, qu'ils se sentent roi de la France, c'est-à-dire que la France commence à apparaître vraiment comme nation. Au moment des croisades, donc avant, au moment des croisades, on appelle les croisés les Francs, parce que beaucoup venaient du territoire de la France, mais ce n'était pas encore la France au sens national du terme. Encore bien plus tard, on passe de cette France féodale dont vous parlez, cette France des provinces, à justement tout ce, un petit peu ce très lent modelage qui se fait progressivement du territoire français, va être mis en cause pour le coup de façon assez brutale au moment de la Révolution française, puisque dès le mois d'août 1789, vous évoquez dans votre livre que l'Assemblée constituante charge une commission qui doit étudier un nouveau découpage du pays, et donc ce sera la France des départements. Alors aujourd'hui, il y a un attachement aux départements qui a pu ressurgir, notamment quand il a été question de les supprimer des plaques d'immatriculation, enfin, qu'on voit de temps en temps autour de certains symboles. En réalité, donc, vous montrez que leur création n'est pas du tout, à la fois ni naturelle ni anodine, puisqu'elle a vraiment été décidée, et qu'elle obéit à une volonté rationaliste des Lumières qui veut ordonner le territoire et en même temps surtout rompre avec l'Ancien Régime. Alors est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer justement quelle a été cette logique vraiment qui a été mise en œuvre par la création des départements, et aussi est-ce que sur le coup, est-ce qu'elle a modifié la façon dont justement les Français se sont rapportés à leur territoire, à leur région. Est-ce que ça a modifié les habitudes sociales et culturelles au moment où ils ont été décidés ? De toute façon, sous la monarchie d'Ancien Régime, l'État est une réalité très lointaine. Hein. Pratiquement, sous Louis XIV, un Français du fin fond de la France peut vivre toute sa vie, de sa naissance à sa mort, sans avoir eu affaire à l'État. Il a affaire à l'Église, qui est la grande puissance sociale, hein, de son baptême jusqu'à son, en passant par son mariage jusqu'à son enterrement, il a affaire à l'Église, qui est la grande puissance de la société. L'État, c'est une réalité très lointaine. Donc la présence de l'État et la construction de l'État n'est pas immédiatement perceptible par les Français. Hein. Et l'avancée de l'État dans la réalité française, l'avancée de l'administration, on va dire, va naître de la République, avec une forme de centralisation, je vais répondre à votre question, mais encore plus sans doute à partir de l'Empire, à partir de Bonaparte. Voilà. Dans une volonté égalitaire, uniformatrice, enfin, les constituants de 1789-90 veulent construire un nouveau monde, rompre avec l'Ancien Régime. Donc ils abolissent les divisions provinciales d'Ancien Régime, qu'il y avait toute une logique administrative derrière, hein, et on fait des départements qui sont grosso modo de taille égale, grosso modo, qui sont pour certains artificiels, et alors en travaillant sur la question, je me suis aperçu au fond que, pas tant que ça. C'est-à-dire que le nombre de départements totalement artificiels qui sont créés est minime. Voilà. Beaucoup de départements en réalité ont déjà un fondement historique, et certains correspondent à quelques kilomètres carrés près à des provinces d'Ancien Régime. Le Lot, par exemple, c'est le Quercy. Donc c'est plus complexé que ça. Mais certain, c'est que, alors là où il y a vraiment un apport, mais qui va être encore plus, alors la Révolution est un instant, on est vraiment très bouleversé, il y a la terreur, c'est phénomène de guerre civile, le moment est très bouleversé. Là où la réalité départementale va entrer dans la vie quotidienne des Français, où l'administration va entrer dans la vie des Français, c'est à la fin de la Révolution,
c'est avec le consulat, c'est-à-dire c'est l'œuvre de Bonaparte, où il y a vraiment une construction de l'État, une construction centralisée, avec où tout le système des préfets, des sous-préfets, de l'administration fiscale, tout ça est normé, dirigé depuis Paris, dirigé par Bonaparte souvent depuis lui-même. Il y a une centralisation extraordinaire, qui est un homme qui a une puissance de travail incroyable, et qui a dirigé la France d'une main de fer. Voilà. Et là, la réalité de la vie quotidienne des Français entre l'État qui était lointain sous la monarchie d'Ancien Régime devient brutalement présent, brusquement présent dans la vie des Français à partir du consulat. Et ça va continuer comme ça pendant tout le 19e siècle. Et donc il y a une volonté de remodelage du territoire, à savoir qu'à partir du 19e siècle, on peut dire que les Français ont affaire à l'État. Et alors les départements ont été dessinés pour cela. On sait que la préfecture, le principe, c'était qu'il ne fallait pas que ce soit au maximum d'une journée à cheval. Et donc, les Français, à partir de ce moment-là, oui, à partir du XIXe siècle, ont affaire à l'État. Et c'est une affaire qui va bouleverser la vie, parce que l'État va s'occuper de la vie des gens, et encore plus à partir de la Troisième République, puisque la Troisième République a un projet social, culturel. Elle veut décatholiser la France, elle veut séparer la France de la population de l'Église, et puis elle veut... Il y a un projet républicain qui est un projet citoyen, qui a une certaine vision derrière, et qui va marquer profondément notre histoire. Et à partir de là... sous l'Ancien Régime, on a eu des révoltes fiscales, il y en a très régulièrement. Hein. Les Français n'ont jamais aimé les impôts, personne n'aime payer des impôts, moi non plus. Et donc c'est vieux comme le monde, les révoltes fiscales. Mais vraiment, la confrontation du Français à l'administration, c'est quelque chose, et le poids de l'administration, quelque chose qui commence à peser dans notre histoire à partir du 19e siècle, ce qui est au fond assez récent. C'est à deux siècles, à l'échelle d'un pays qui est millénaire, c'est assez récent. Et donc également au 19e siècle, avec cette nouveauté donc, de la place de l'État, on a donc à la fin du 19e siècle, et bien sûr pendant toute la première moitié du 20e siècle, le territoire français est assez malmené, puisqu'on a les trois grandes guerres contre la Prusse d'abord, puis ensuite contre l'Allemagne, avec l'amputation à deux reprises de l'Alsace et de la Moselle, la vie dans les tranchées, le creuset de Verdun, enfin, vous rappelez tous ces événements, la scission entre la France, entre la zone libre et la zone occupée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, en même temps, avant, du coup, en amont, fin 19e siècle, se développe ce que vous avez évoqué tout à l'heure, du coup, le discours de la Troisième République sur la grandeur de la France, le destin de la France, la nostalgie des provinces perdues, l'amour de sa terre, et donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui le roman national. Alors, vous avez déjà en partie répondu à la première question que je vais vous poser, mais il me semble qu'on peut peut-être en le réévoquer maintenant, et j'avais une deuxième question qui allait avec. Est-ce que, donc, vous pensez que, au moment où, à fin 19e siècle, est-ce que cet attachement à la France que le discours de la Troisième République développe, notamment dans les manuels scolaires, est-ce que cet attachement à la France existait réellement, ou est-ce qu'il a, à ce moment-là, été un peu construit par le pouvoir politique avec un discours de propagande pour justement faire naître un désir de revanche? Donc est-ce que cet attachement existait vraiment, ou est-ce que c'est une sorte d'idéalisation volontaire? Et si on va même un petit peu plus loin, je vais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut penser que l'amour qu'on porte à un territoire, l'amour qu'on porte à la France, donc tel que vous la décrivez avec toutes ces cartes, peut justifier des sacrifices aussi forts, justement, que ceux qui ont été demandés aux Français, notamment lors de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'on peut dire que l'amour à un pays, à une terre, légitime de demander le sacrifice d'une, voire de plusieurs générations? Est-ce que ça a un sens, au fond, de mourir pour son pays? Une grande question, difficile de répondre à ça en quelques secondes, en quelques minutes. Alors, la première partie de votre question, oui, c'est évident que la Troisième République a fait un effort d'unité nationale,
très fort. J'ai dit que le monde de l'Ancien Régime était un monde très décentralisé. On avait une perception d'abord immédiate de son territoire. Ça a été encore vrai très longtemps, pendant tout le XIXe siècle. J'ai dit qu'à partir de Bonaparte, il y a le poids de l'État, de l'administration, mais il faudra du temps. Et les attachements régionaux, je veux dire, sont très forts. L'usage des langues régionales sont très forts. Dans le livre, on a fait une carte sur l'utilisation des langues régionales. Il faut voir, en 1863, il y a une enquête sous Napoléon III. Il y a encore un tiers des Français, qui ne parlent pas français. C'est extrêmement important. Qui ne parlent pas du tout. Il y en a une autre partie qui parle à la fois leur langue régionale. Je n'aime pas le terme de patois parce qu'il est dépréciatif. Et français, mais je dois, voilà. Et donc il y a une forme d'unification faite par la Troisième République. Et après 70, etc., contre l'allemand, et c'est vrai, le sentiment patriotique français et qui est tourné contre l'Allemagne est historiquement attesté, au début du XXe siècle, avant 14. Et ça va être la grande déception d'ailleurs de la gauche pacifiste immédiatement en 1914. Ils veulent faire jouer un sentiment de fraternité entre les ouvriers allemands et les ouvriers français, en disant que c'est la fraternité des prolétaires qui va être plus forte que la fraternité patriotique. Et en fait, en réalité, non. Les ouvriers allemands se sont montrés patriotes allemands et ont accepté la guerre, et les ouvriers français se sont montrés français avant d'être ouvriers et ont montré et se sont entrés dans la guerre. Donc cette la guerre de 14-18 est le fruit de cette montée des nationalismes des deux côtés du Rhin. Hein. Alors c'est une vraie question, mais elle est philosophique, elle est morale. Est-ce que ça valait le coup de sacrifier ce qu'on a sacrifié, ce que l'Europe a sacrifié? Moi, je suis à la fois très français et en même temps assez européen. Puis mes travaux sur la maison d'Autriche, Charlesita, m'ont amené aussi à beaucoup travailler sur cette période vue de l'autre côté. Hein. Les souffrances ont été les mêmes. Est-ce que ça valait le coup? On ne peut pas refaire l'histoire. Moi, j'ai une grande révérence pour Charles d'Autriche, le bienheureux Charles d'Autriche, parce que précisément, c'est un homme qui, à travers le flot de sang de la Première Guerre mondiale, quand il a accédé au pouvoir en 1917, s'est dit, est-ce qu'on a le droit moralement, est-ce qu'un chef d'État chrétien a le droit de porter et de conduire une guerre aussi horrible? Et lui, son premier souci, c'est dit, il a pensé non. Alors, s'il était chef de la maison d'Autriche, il était patriote autrichien, il ne voulait pas que son pays perde, mais il s'est dit, moralement, je n'ai pas le droit, il faut que je négocie avec mes adversaires. C'est pour ça qu'il a entamé des négociations de paix secrètes avec les Alliés, parce qu'il s'est dit, ce conflit est un conflit horrible, qui va profondément, non seulement on mutile des millions de jeunes hommes, c'est la réalité, mais en plus, nous allons nous détruire. L'Europe, c'est une forme d'autodestruction de l'Europe. Ce que je crois, rétrospectivement, mais attention, l'histoire ne se fait pas rétrospectivement, pas faire d'anachronisme. Là, je donne une perception des faits qu'on peut voir avec le recul du temps, qu'en 14-18, il y avait très très peu de gens qui avaient cette vision-là. Et puis, il y avait des intérêts nationaux français qu'il fallait quand même défendre. Mais ce sont les mystères de l'histoire. L'histoire est souvent tragique. Hein. Vous savez, elle n'est pas faite malheureusement que de bons sentiments. Et il y a bien des guerres qu'on aurait pu et dû éviter, mais n'ont pas été évitées. C'est le tragique de l'histoire. Après cette période tragique, vous dégagez l'émergence, pour le coup on change un petit peu de ton, vous dégagez l'émergence à l'inverse d'une civilisation des loisirs, donc un moment où voilà, la France se reconfigure, c'est tout le moment des Trente Glorieuses, bon, et puis après de la révolution de mai 68, l'arrivée de Mitterrand et du socialisme. Et alors ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que vous mettez tous ces événements en lien avec le développement du trafic autoroutier, d'abord, puis ferroviaire, en montrant que voilà, il y a eu un véritable changement au moment où on a commencé à développer l'autoroute en France. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur cela et nous expliquer à nouveau quelle logique a correspondu ce développement du réseau autoroutier? Comment est-ce qu'il a été organisé? Enfin, quelle était la vision politique derrière la décision du tracé et de la façon dont il a été mis en place? Et ensuite, d'un point de vue plus sociologique, comment est-ce qu'il a concrètement contribué à modifier justement le comportement et le mode de vie des Français? Le grand dessin des autoroutes correspond, si l'on veut,
au grand dessin aussi des principales routes romaines, des principales voies d'Ancien Régime, et qu'on va retrouver aussi sur le TGV. Il y a des grands axes de communication sur le territoire français qui, à peu de choses près, sont identiques sur 20 siècles. Alors, votre question, pour centrer sur l'autoroute, c'est en effet la grande transformation des Trente Glorieuses. La guerre est finie, on évacue les colonies, Indochine, Algérie. L'élévation est très forte du niveau de vie. C'est ce que le sociologue Henri Mandras a appelé la seconde révolution française, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bouleversements. Nous étions un pays agricole, nous devenons une nation industrielle et ensuite même post-industrielle. Nous étions une civilisation chrétienne, nous passons à une civilisation crise de l'Église, années 60, déchristianisation qui commence, et civilisation d'abondance. Alors pendant des siècles, on a vécu sur la rareté. On est, à partir des Trente Glorieuses, civilisation d'abondance, société de consommation, naissance des supermarchés et naissance de la notion de loisir. Je veux dire, avant, on prenait des vacances le dimanche, les paysans se reposaient le dimanche, il y a toujours toute l'histoire, les hommes sont toujours reposés, même quand on travaillait durement, sauf dans la condition ouvrière du 19e siècle qui était effroyable. Mais là, la notion de loisir devient quelque chose qui envahit nos vies. C'est aussi le développement de la télévision, c'est un autre regard. C'est la libération, transformation des mœurs, transformation de la famille, libération sexuelle. Enfin, je veux dire, il y a tout un phénomène qui se conjugue, qui vont transformer profondément les mentalités de la société française et d'ailleurs de l'ensemble de la société occidentale. Ce n'est pas un phénomène franco-français. Voilà. Alors, les autoroutes, puisque c'était le point de départ de votre question, voilà, c'est les autoroutes, elles vont mener vers les plages, vers le sud. C'est le grand mythe des années 60-70, c'est la Côte d'Azur, Saxe-Saxonne. Et donc, on est passé d'une société de l'effort à une société du plaisir. Voilà. Donc, c'est le développement aussi très important, l'individualisme et la naissance de l'individu, et mai 68 consacre ça philosophiquement et socialement. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que la société, l'individu devait quelque chose à la société, il y a une sorte de renversement, on pense aujourd'hui que c'est la société quelque chose, qui doit quelque chose à l'individu. L'individu est la référence suprême, voilà. Donc je, c'est moi je construis ma vie telle que je veux, ma façon de vivre, ma sexualité, je la choisis, et je suis mon propre maître, mon propre destin. Je construis, et quand je vais à l'école, je construis moi-même mon savoir. Le maître n'en sait pas plus que moi. Enfin, c'est tout un séquençage sur différents secteurs d'activité de la vie quotidienne qui va transformer profondément les mentalités et qui va donner tout ceci se conjuguant à partir des années 70 avec des mouvements migratoires extrêmement importants, avec l'arrivée de populations d'origine extra-européenne. Donc introduction lente, mais d'une civilisation non pas nouvelle dans l'histoire de France, puisque l'islam et la France se connaissent depuis très longtemps, depuis toujours, mais enfin très présente de plus en plus sur le sol métropolitain. Donc tout ça, c'est un centre de bouleversements qui se passe entre les années 60 et les années 70, qui sont des bouleversements majeurs à l'échelle de notre histoire. Voilà, nous passons d'une société paysanne à une société industrielle et post-industrielle. Si nous étions une société chrétienne, nous passons à une société post-chrétienne. Et nous étions une société homogène ethniquement. J'aime pas ce mot d'ethnie, hein, parce qu'il n'y a pas une race française au sens biologique du terme. La nation, c'est une communauté née de la durée. Et les Antillais ont été français avant les Niçois. Donc c'est pas, on peut être français et avoir la peau noire, c'est pas ça la question. Mais enfin, il y a une cumulation de bouleversements dans notre histoire dans les années 60-70 qui sont des bouleversements majeurs d'ordre historique. Vous finissez du coup votre livre sur la grande affaire de 2020, bien sûr, qui est l'épidémie de coronavirus qui commence l'année dernière, dont nous n'avions pas encore parlé, et l'apparition dans nos vies des gestes barrières, de la distanciation sociale, bon, toutes les difficultés que nous connaissons bien. Peut-être une question, tout le monde sait que voilà, Macron a repris à son compte un petit peu le vocabulaire militaire en disant que nous étions en guerre, que le virus était un ennemi. On parle à nouveau de générations sacrifiées, quand on parle des étudiants ou des lycéens qui doivent qui doivent vivre cette période peut-être un petit peu difficile, mais on a l'impression qu'ils vivent un nouveau Verdun, alors que pour eux, ça consiste quand même, pour nous, à rester chez nous et à porter un masque. Bon,
Peut-être qu'est-ce que cette gestion de la crise nous révèle de nos mentalités, de notre mentalité face aux risques et de notre mentalité face à la décision politique, à ce que nous attendons justement de l'action politique dans nos vies. Au terme de toute cette histoire de la France, qu'est-ce qu'aujourd'hui cette crise nous révèle de ce que nous attendons de nos dirigeants politiques pour notre territoire ? D'abord, nous sommes, nous Français, très déçus. Nous pensions avoir le meilleur système de santé au monde, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Nous pensions avoir une industrie, on s'aperçoit que 80% de nos médicaments sont fabriqués en Chine. Enfin, je veux dire qu'il y a qu'on ne peut pas fabriquer de masques en France. Enfin, on en a fabriqué à toute vitesse. Mais enfin, voilà. Donc c'était d'abord une claque par rapport à une certaine sûreté française. Et puis toute la société a été surprise. Société matérialiste, individualiste, surprise par cette épreuve collective et qui a surtout redécouvert la proximité de la mort. Nous ne voulons plus voir. Enfin, aujourd'hui, on ne meurt plus. C'est bien connu. Avant, les gens mouraient chez eux. Aujourd'hui, on ne voit pas les gens qui meurent et les gens se persuadaient qu'ils ne vont pas mourir ou ils ne veulent pas y penser. Alors que pendant des siècles, la civilisation chrétienne a appris aux gens qu'ils allaient mourir et apprendre à mourir faisait partie des devoirs du chrétien. J'ai pas du tout envie de mourir, enfin je suis pas pressé, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, ça, on le sait, un chrétien sait que ça fait partie de sa destinée, voilà. Or, notre société le redécouvre, elle voulait plus le voir, ça. Donc ça, ce sont des chocs, encore un choc moral, hein. Alors, ce qu'on attend, malheureusement, bon, on a vu beaucoup d'incohérences au niveau de l'État, mais donc ça prouve, par défaut, l'importance que nous accordons à l'État en France. Et toutes les interventions de Macron, on en rit peut-être, mais enfin, ça fait des tabacs télévisés. C'est-à-dire que les gens attendent la parole de l'État. Quand Macron parle sur le... On dit qu'est-ce qu'il va nous dire ? On se tourne vers le président, on se tourne, vers le roi. Macron n'est pas le roi de France, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il incarne quelque chose, il incarne quelque part l'État et notre histoire. Donc il y a encore, par défaut et en creux, on retrouve cette constante de notre histoire. Ça aussi révèle aussi évidemment les... Oui, génération sacrifiée. Alors oui, c'est évident, c'est quand on a 20 ans, et même quand on a mon âge, c'est pas rigolo de pas pouvoir sortir le soir pour boire des coups avec ses copains. Ça, même à mon âge, hein, vous savez, ça c'est pas drôle de pas pouvoir faire des dîners avec les amis. Sacrifier les garçons qui avaient 18 ans en 1914, il me semble qu'ils ont été une génération plus sacrifiée. Enfin bon, voilà. On se calme. Il est probable que, voilà, par ailleurs, ce n'est pas la première pandémie que nous rencontrons dans notre histoire. Alors évidemment, on a vu les limites de la médecine, on a vu les limites de la science, voilà. J'imagine, je suppose que est-ce que ça sera dans un an, dans deux ans, il y a un moment, on en tournera cette page. Voilà. Ce qu'on peut craindre, évidemment, c'est qu'on en garde beaucoup, c'est-à-dire une espèce de contrôle social qui s'est accru, une intrusion de l'État dans les vies quotidiennes, dans la vie des cultes, dans la vie de la société en général, qui a été extrêmement préoccupante. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est fiché partout, on est surveillé par notre téléphone, la puissance publique sait ce que fait chacun. Je veux dire, on sait ce qu'on a acheté en suivant sa carte bleue, etc. Je veux dire, il y a une forme de contrôle social sur, enfin, la notion de liberté, les libertés ont profondément régressé, mais ça, c'est toute une évolution du monde moderne. Mais la crise du coronavirus sera accentuée. Ce côté 1984 de Big Brother, quoi. Je veux dire, on est vit sous la surveillance permanente du collectif. La part de liberté individuelle se réduit, sauf à vivre au fin fond de la montagne, tout seul. C'est assez redoutable. Et retrouver le sens de nos libertés, ça sera un combat. C'est un très beau combat français, l'histoire des libertés françaises. C'est une très belle histoire. Donc, c'est la phase suivante, ça. Fin 20e siècle, entrée dans le 21e siècle. Vous évoquez la défiance qui naît contre la construction européenne, qui se manifeste notamment avec la victoire du non au référendum. Vous évoquez également la crise de la légitimité du système politique français de ces dernières décennies. Vous évoquez la persistance d'un chômage structurel vraiment qui s'installe et qui ne fait qu'augmenter et qu'on n'arrive pas à combattre. La détresse du monde ouvrier et agricole, vous donnez ce chiffre, cette moyenne de 1 suicide par jour dans le monde paysan. Bref, on a dans les dernières décennies l'impression d'un échec
à peu près à tous les niveaux d'une crise à la fois sociale, économique, culturelle, civilisationnelle. Vous venez d'évoquer la question évidemment de la crise migratoire, la difficulté d'intégrer des populations issues de l'immigration et des populations musulmanes parfois comme un des grands enjeux de notre époque. Et donc on est amené à se demander si on peut réussir à, est-ce qu'on peut réussir à analyser cet échec? Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de ce modèle individualiste hédoniste de mai 68 sur lequel vous venez de revenir? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça s'est passé ailleurs et qu'on doit essayer de trouver cet ailleurs pour sortir de cette crise? Ou est-ce qu'on est vraiment sur la conséquence directe de cette transformation des années 70 sur lesquels, du coup, il est urgent de revenir rapidement. Comme toujours en histoire, tout est multicausal, il n'y a pas une causalité unique. Voilà. Donc il y a une accumulation de phénomènes, il y a ces transformations sociologiques que j'évoquais, il y a les transformations liées à la déchristianisation, qui sont d'ordre historique, qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Il y a la crise du politique, on vient de le dire, et la crise politique est fondamentale pour nous, parce que nous sommes une nation qui a été construite par l'État. La France, par les rois, par la République et l'Empire, etc. Donc remettre la remise en cause de l'État, c'est la remise en cause de doute de légitimité sur l'instrument qui a été sur ce qui a bâti notre unité. Donc c'est fondamental. On a vécu sur le grand rêve européen, vous l'avez dit, ce rêve européen se dissipe partiellement, puisque maintenant, comment décider de notre avenir quand il y a 27 interlocuteurs? En effet, il y a une multiplicité de causes. Une grande partie de ces facteurs ne sont pas uniquement des facteurs franco-français. Attention, hein, c'est l'Europe occidentale, c'est même le modèle américain qui est aussi en cause. Hein, ce sont des grandes questions. En l'espace de 2 minutes qui me restent pour parler, je ne pourrais pas résoudre ces grandes questions qui sont des questions de philosophie de l'histoire. Hein. Nous sommes entrés dans un autre monde. Je pense que nous sommes entrés dans un autre monde. Alors, nous, ça nous coûte, et moi, ça me coûte personnellement aussi, mais je pense qu'il ne faut pas rêver. Je veux dire, on ne va pas revenir au monde d'hier, et même pas le monde de mon enfance à moi, le monde des années 50-60, c'est un monde qui a disparu, qui n'existe plus. Et on ne reviendra pas dessus, il ne faut pas rêver. Alors, il faut chercher dans ce maelstrom ce qui peut nous reconstruire. Personnellement, comme je suis chrétien, eh bien, je pense que l'Église est un moteur de reconstruction, et l'Église a duré, par définition, elle transcende les civilisations, les nations, et donc là, je pense que la foi chrétienne est un élément d'unité, de construction de l'homme, même si on est chinois ou esquimaux, tout ce que vous voulez, il y a quelque chose de structurant anthropologiquement dans la foi chrétienne qui pour moi est un guide extrêmement précieux. Il y a quand même notre histoire française, si vous voulez. Malgré toutes ces transformations, la nation française existe encore aujourd'hui. Il y a encore tout est bouleversé, oui d'accord, mais il y a quand même un État, on peut toujours rire de son président de la République, enfin il y a un minimum de structure, il y a un État, il y a une police, il y a une administration, il y a une armée, la France n'est pas dissoute non plus, hein. Il y a des éléments. Il y a une très très longue histoire, très longue histoire. Et si, oui, c'est vrai qu'il y a l'échec de l'intégration des immigrés, mais enfin, c'est pas si un peu plus compliqué que ça. Si vous prenez un immigré algérien qui vit en France et un immigré algérien qui vit en Allemagne, vous remarquerez que ce ne sont plus les deux mêmes hommes. C'est-à-dire qu'ils ont chacun pris quelque chose culturellement du pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que il y a quand même les nations sont des nations et ce sont des hérités tellement anciennes, tellement fortes, qui passent par la culture, par l'anthropologie, par les choses quotidiennes, par la cuisine, par donc ce sont des réalités qui tiennent l'humanité malgré tout. Et donc non, moi je ne crois pas que la France a tout perdu. Hein. La France n'est pas fichue. Mais en revanche, il faut que nous ayons la force et la capacité à la fois de vouloir maintenir notre tradition nationale et en même temps en étant persuadé, sinon ça ne sert à rien de mener des combats qui seront perdus d'avance sur des points qui sont secondaires. Et pour partie, malheureusement, nous sommes en basculé dans un autre type de société. Il va falloir que la France de demain
acceptent de vivre dans cet autre type de société. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit plus être la France, ni qu'elle ne doit plus être chrétienne. Au contraire, je pense qu'elle peut retrouver les clés de son avenir en étant plus chrétienne, en étant plus française. Voilà. Mais sachant que ça ne sera pas la France des années 50. Merci beaucoup Jean-Célia pour cet entretien passionnant. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain entretien des éveilleurs.